17h sur Akhbar Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Le rapprochement entre Madrid et Alger fait le beau temps des militaires au pouvoir en Algérie, tout en faisant le mauvais temps des activistes algériens ayant fui les militaires dictateurs. Une mauvaise nouvelle qui vient de nous arriver il y a juste quelques minutes, l'ancien militaire et cyberactiviste Mohamed Ben Halima en état d'arrestation en Espagne. C'est ce dont on va parler, mais pas avant de vous inviter à ne pas oublier à vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar Bled. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir à chaque fois une notification qui vous informe qu'il y a du nouveau sur la chaîne et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu nouveau. Bonsoir. L'ancien militaire et le cyberactiviste Mohamed Ben Halima se trouve en état d'arrestation en Espagne. C'est ce qu'a pu confirmer un média algérien à l'étranger de plusieurs de ses sources concordantes. De nombreuses rumeurs ont été propagées concernant son expulsion imminente vers l'Algérie, mais pour l'heure, aucune confirmation de la véracité de ces informations. Assigné à résidence par les autorités françaises depuis la fin du mois de janvier dernier, Mohamed Ben Halima aurait quitté précipitamment le territoire français pour tenter de trouver refuge dans un autre pays européen. Les motivations de cet ancien militaire demeurent pour le moment inconnues, car aucune décision officielle concernant son éloignement du territoire français n'a été prise. Étant donné que son dossier était toujours en cours de traitement au niveau de la justice française, qui avait été saisie par ses avocats depuis février dernier afin d'annuler la mesure de son assignation à résidence et son placement sous contrôle policier. Mohamed Ben Halima devait se présenter plusieurs fois par semaine au niveau d'un commissariat à Paris, pour certifier sa présence et démontrer son strict respect des mesures de contrôle auxquelles il a été soumis par les autorités françaises. Il est à signaler que Mohamed Ben Halima avait déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apartheid et jouissait en France du statut de demandeur d'asile. Son arrestation en Espagne suscite énormément de craintes dans les milieux des défenseurs du Hirak et des droits de l'homme en Algérie. Le scénario de l'ex-gendarme Mohamed Abdellah risque de se reproduire dans les heures ou jours à venir. Fin août 2021, l'Espagne avait remis aux autorités algériennes cet activiste très populaire dans les milieux du Hirak. Abdellah Mohamed avait été ensuite rapidement incarcéré après avoir été auditionné par des policiers de la brigade de recherche et d'investigation et du groupement des opérations spéciales de la police chargée de la lutte contre le terrorisme. De nombreuses voix s'élèvent à l'étranger pour dénoncer d'ores et déjà le sort tragique qui risque d'être réservé à Mohamed Ben Halima. Cet activiste algérien s'est fait connaître récemment pour ses vidéos sur YouTube concernant les enregistrements fuités de Germit Bounouira, l'ex-secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaid Saleh. Mohamed Ben Halima et l'activiste et opposant l'Arbi Zitout, exilé à Londres, ont été les premiers canaux de diffusion de ces enregistrements vidéo qui ont suscité un énorme scandale en Algérie, en raison des accusations gravissimes formulées par l'ex-secrétaire particulier de Gaid Saleh contre l'actuel patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Chengreha, et plusieurs membres influents de son entourage.